Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers amis et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur la situation sécuritaire tendue au Nord Kivu, arrivé à Samalukonde, Masole Betami, et puis entre-temps, Bandeko FARDC se prépare. Bango anana kate a Goma, baza ko tambula. Parce que match est à Mobulu, alors RDF M23 bazo se prépare, puis peut se prépare. Donc, on m'a dit, match peneza Mobulu, donc, FARDC en alerte, Chiwawe, Masolo Kito. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe en émission. Deuxième point, chers téléspectateurs, les armes chinoises vers la RDC, confirmées. Bandeko, ba armes, bibondeli mokonza mboka, menana kate ma kambo bako solo la, akozwa, naba arme, confirmation par le Tundula, boko yoka, bandeko, ba question ba tuni pona ba arme, pe boko yoka bandeko nanga. Alors, tous à la connecter, peut-être qu'on développe en émission, n'abissons. Chers téléspectateurs, émission Nabissé Bandi, comme d'habitude, Yebsa Mouninga Nyonsi de Tango et Koki, Poto Banda, Masolo Nabissu, Yandeko, Bandeko, Solution Tosana Ngwawa, et ça clair, était FARDC à se préparer. Parce que la guerre à l'Est, côté y a armée rwandaise, M23 Bazako se préparer. Ba o bengango aso final pe ma solo ko sila pe kaka wana to neutraliser bango ba kampe tu esile parce que bango ba so comprendre nde mususu me biso tozan bango ba yebi far de se pendenge mususu bande ko infiltration o ezala ki na kati armé yango muteza iko boma biso pour le moment bato ba zo ba position na biso ti. Bango bazo se préparer à sopona bango ba yebi ke bako gagner Goma. Tout ça la clair. Selon le président rwandais, il faut confirmer maloba na ye oya lobaki na Bénin que une partie à RDC il faut récupérer. Alors, maintenant bazaka ka renfort se prépare et qu'est-ce qui s'était passé? C'était hier. Samalukonde est arrivé au Nord Kivu. Bakutana Constant Ndima. Ndima a expliqué Samalukonde situation d'engeza. Samalukonde a salaki escale pour akene na kale pe azonga na Goma. Alors avanda ki amona ki fuba solo la. Parce que situation est attendue na Nord Kivu pour le moment. Armée rwandaise M23 bazako se prepare na ndenga mokete pour na assaut final ya Goma. Pona bango bazo mona kake bako gagner Goma et tout ce qu'ils font bako mona ki ekosala. Assainissement ya armée za ki n'impact. Bango bazo e bali sou te makambo e bele kati ya FARDC. La majorité des officiers supérieurs rwandaises bazali sou souti. La majorité basi ba kite ba rejoindre M23. Pona ko laksa ki baza ba rwandais. Bon, officier, on a la région de M23. Maintenant, tu vas entendre, n'a pas sa communication. Oh, yo, bah, ça, la cabaye, bah, position à FARDC, bah, zo, y'a, bah, yangouti. Yangou, mon konza, mboka na Chine, alo, bah, kibouye. Et pas, bah, congolais. Alo, bike, ce qui est vrai, n'a zo confirmé, bino, c'est le chef de l'État qui l'a dit. L'année, le message, wana. Que cette guerre, nous ne perdrons jamais cette guerre. Donc, tu vas perdre Yangouti. Nous allons gagner d'une manière ou d'une autre. Tant que tu vas perdre, c'est-à-dire, nous allons gagner cette guerre. De la victoire, c'est un amabo qu'on a bisou.
mokonza mboka tango ayolo babongo ayebi pourquoi parce que boyo wana soit disant le M23 armée rwandaise oyo makamu tubaza kosala bango baza komona kaka FARDC oyo bango bayebelaki ya mokonza mboka lobike toko perdre ya muti. Nous ne perdons jamais cette guerre, ce qui est vrai. Alors, maintenant, du côté de Bango, bazo soit angle moussous. Pays na biso bande konangai. Ce qui m'a bête ma bête à mon zinde à ma solonde mon konzambo kakouti armée, et que ça la biso passe. Mais, par la grâce et ce que nous avons reçu, oh, nyon soto zanango. Mokonzambo kaba changé la puissance, la montée en puissance de FARDC. Aja la Chine, toujours un deuxième point. Ba arme mokonzambo pone fa pona, pas n'importe quelle arme oyo kaba masolo azo solo. Parce que la Chine a coopéré dans le pays bébé. Alors, bisou foto tu ba arme oyo, te bete tso de juyango, masolo est ici. Alors, les opportunités, c'est pour cela que vice-premier ministre et ministre de la Défense, Bemba Azanaf, na Fachi, na Chine. Voilà, et ça, deuxième point, pour l'Obama Kamba arme. Awa, situation d'engueza tendue dans Nord Kivu, tous ceux, ça va congolais, que tous à la l'aise. Oh, tous au monde, à Abba, oh, tout, oh, bah, sautez là, tu t'es. Tala, bazo pesa wa message moko mawa, mokeba. Manipulation rwandaise, ça qu'on continue toujours. Baza wana baza sou na position T. Ba yebi biso position li sou T. Ben infiltré na bango nyonso ba antenne nyonso baza na kata FARDC na haut niveau. Ba toile nyonso baza disparu. Ba si ba kei bango nyonso, les autres régions, les M23 et les autres sont aux arrêts. Et même la plupart de ces antennes sont aux arrêts à Makala. Donc, boye ba ete, FARDC a ko s'opéré. Na ba na mboka de père et de mère, ma kila ba congolais, ba za ko avancer nango, na kimia nyonso. Yango to za la laise. Ba zwe ba sou position na biso tendenge za la ki obunagana. Bah, ils continuent Kibumba. Ils venaient comme ça, ils ont pris les cités comme ça facilement, sans même une bataille. Voilà la haute trahison qui s'était passée. Et maintenant, dans leurs images, dans leurs pensées, ils pensent qu'ils vont encore le faire à Goma. Ça ne se fera jamais. Sake, ils ont blindé. Nirangongo, blindé. FARDC. Aza ko mene ba patrui day and night. Likolo toza ko tala bango. Cette fois-ci, ba ko swa biloko a moto. Mais bango baza ko se préparer en conséquence et voilà. Et assez aza wapi. Et assez aza ko mona comment il se renforce. Ndeko mona émission ele ki ye a tout une question à lui-même. Batoyo, comment faire de sa kobanda ko attaquiti? Ndeko, réponse est en anglais clair. Toyo kanaki baluba ki cesse le feu. Oyo bango ba respecta kati. Mais ce ne veut pas dire que faire de sa kobanda na cesse le feu. Parce que pour le moment, Thérèse a miné partout au monde, batoyo monusko, batoya. Oba vérification ya CAGL batu tu bazana kata terrain baza komona président Rwanda za ya kosambwa ba américain basi ba baye ba français basi ba lembi président Rwanda pourquoi makambo ya lubaki na Benin o arrivé sa ki cop ki azana besoin une partie à EDC parce qu'il était le saliba occidentaux sont. Alors, maintenant, tous ont un point à bûcher à pourquoi l'élu. Sama Lukundi, à comment qu'il fallait pas solo là, la situation sécuritaire n'a constant dima. Ma kamboza pena minene. Alors, Bazako s'est déployé, même ça a été discuté, pourtant une émission passée.
Mais awa, toyoka, komandima a expliqué Sama Lukonde, premier ministre Totang. Situation sécurité tendue au Nord Kivu, arrivée de Sama Lukonde. Aouta ki kale, et puis azambe na nakoma, et pawa bana masolo, na Constantima, pona ndenge, armée rwandaise, RDF, baza ko se prepare assaut sur Goma. Le lieutenant général Constantima Kogwa a fait part à Sama Lukonde du non-respect des engagements des rebelles du M23 et de la situation humanitaire très préoccupante des déplacés de guerre. La situation sécuritaire, bien sûr, la situation d'agression et aussi prise en charge holistique des déplacés de guerre. Je venais de donner des chiffres. C'est une situation dramatique. Nous faisons face à cette situation sécuritaire humanitaire. La situation sécuritaire sera, ça se sera avec l'accompagnement de notre gouvernement. Et pour la situation humanitaire, ça sera avec le gouvernement, bien sûr, mais aussi les humanitaires qui sont à nos côtés. Bref, nous avons parcouru cette situation. Bah, selon l'Inassama, le code commun présent rwandais, na armée rwandaise, va se déployer à l'est, à Rutshuru, et de l'autre côté, va coopérer, na armée rwandaise, et na armée ougandaise, na armée kenyane, masolo basikomba master, masolo kitoko. Je lui ai expliqué que nous connaissons aussi, nous avons fait des recommandations à son excellence. Il y a un processus en cours, le processus de Nairobi, qui a attiré la feuille de route de Luanda. Une feuille de route qui prévoyait un cessez-le-feu immédiat. Et c'est ce que votre ami est en train d'observer, a-t-il fait remarquer dans sa restitution devant la presse. Et de poursuivre. Il y a aussi le retrait de M23 de ces espaces occupés. Le retrait aujourd'hui, c'est sous la supervision des forces de l'EAC. Mais, est-ce qu'il y a retrait? C'est un retrait timide. Tantôt on se retire, tantôt on reprend les positions. Voilà le jeu auquel nous sommes en train d'assister. Nous avons exigé que cela soit sincère pour que la population retrouve la paix et regagne les milliers d'origine. Puisque les Congolais n'acceptent pas de rester dans les sites de déplacés, dans des camps pour tendre la main, chercher la nourriture, notre population est très active. Elle cherche elle-même sa nourriture. Les conditions doivent être rétablies pour que la population retourne dans son milieu d'origine. Et ça, que ça la passe. Parce que maintenant, on se prépare à une guerre. Toloba qui a moqué, au moins, présent Rwanda, missionnez à Moko. Alors, Constantima a expliqué ça, Maloukon, de la situation. Mokonza Moko a au courant. Et maintenant, FARDC se prépare pour une guerre. Oyo, Yako Sakanati, avec l'armée rwandaise. Parce que EAC, Azotika bango ba se déploye. Tomeka, kusolo. Bandeko, Sama Lukonde, aza kusolo na Constantima. Constantima zo pese rapport nyonso, pona ko yeba koma, baza ko se prepare, parce que, bandeko na so baza na situation moko difficile, place ba kimagi. Otikinda kuno pendant plusieurs mois, depuis mois de juin, et Bele Bakita Bunagana, et Bele Bakita Rutshuru, ils sont dans les lieux de déplacés et basan la difficulté. Alors, situation en Eza, sécurité les a passé. Malgré tout, ils ont aidé, na bango bazo sunga bango, mais basan la besoin, basan andaku na bango na Rutshuru, na Bunagana, baluka kalipa na ndaku na bango. Yango Constantima yebisi premier ministre était, en tout cas, il faut résoudre des situations le plus tôt possible. C'est-à-dire, le plus tôt possible, c'est quoi? Et ça, quoi? Attaquer bateau, quoi, bengana bango. Mais guerre, on a posé salama. Parce que nous sommes en face à deux armées. Tout à la claire. Faire des gens, quoi, attaquer, pebi, loko, betani. Mais faire des gens, se préparer. Avec, quand c'est la paix arrivée, il y a la SADC et armée angolaise. De l'autre côté, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, basana masolo pas ensemble.
Alors, préparation au salam en andenga mouketi. Parce que tous les menaces. Peuple, on a besoin de l'andakunaï. Et nous sommes menacés. Notre peuple a souffert. Parce que, batu oyu ba kote la kibiso, ba yena makama mabi. Alors, chers téléspectateurs, la situation est tendue à l'Est. Match oyu, le président l'a dit clairement que nous allons gagner cette guerre et nous ne la perdrons jamais. Donc, situation zawana, toko gagne, pe toko benga na banguna oyu ba kote le biso à l'Est. Situation zapena oyo kaka tendue. Mais FARDC a toujours à marche. Bientôt, tu vas gagner ma solo ouyou. Alors, ce que tu as la situation, tu as en haut. Donc, au moins, clairement, été, FARDC a mené banquette partout pour la match ouyou, puis tu gagnes en haut. Bandeko, ouyou kaka, essaye à kouyinda, comment FARDC a besoin, il y a renfort mon makasi. Pour te gagner Bitumba Ouyou. Alors, ce qu'on t'a les situations sécuritaires, on comprend qu'ils attendent, mais, bah, ça l'effort était, bah, améliorer les conditions de vie. Ce qu'on t'a les, bah, tout ce qui se passe, Bissot, tout soit ma cambo en main. Tout gagner match Ouyou, tout gagner Bitumba Ouyou, pour Ouyou Banguna va côté le Bissot. Comme ça, Bazala va perdre pour la libella. Alors, Bandeko, voilà la situation à l'Est. Sama le Kondaye va passer un rapport, va expliquer comment Bitumba Oyo, comment Bato va se préparer. Et nous aussi, on se prépare. Voilà, match Otozanangweza Matata. Mais ce qui est vrai, comme le chef de l'État l'a dit, nous allons gagner cette guerre. Alors, Bandeko, c'est une guerre qui nous a été imposée par le Rwanda. Et maintenant, les bosses qui sous prétexte au FDLR et aussi tout cela. Mais maintenant, Banda Lobaka Makamboya Bene, tout a changé sur les terres. Ils ne peuvent plus reculer. Parce que c'est à jurer. Deux hommes ont clairement tous habitué Bena Makas. Mais, tout est ETP, pour Monaki, le soldat a créé une formation. Formation Cécile, n'est au tangi wana bomoni donc bazar, donc bazar pen après. Alors Goma pour le moment ça vraiment bisomoko, faire des ça venant na azo kenge la Goma na kusaganati, aéroport de Goma partout. Alors batu oyo bako vivre, oba lubaka ki vivra vira, parce que Bitumba mbala oyo. Et ça pourra finir avec tous ces gens, tous ceux-là nanabango. Bandeko toloba ki on a ebandeli. Et le président Rwanda a commis pardon. Bantene nenyo sezaki ba infiltration na tous ces gens. Bazai suna kata FARDC. Il y a d'autres qui ont rejoint M23, d'autres bazana prison. Tous ces collaborateurs, il y a président Rwanda. Tous ces gens ben infiltrés. Armes au moins, vraiment, une passe siliti, tout ça la clé. Basiliti, bazarak. Alors, mais la majorité au moins, clairement, était Moussala Pendesalan. Alors, Bandeko, tant qu'on a la situation, yo, Bazo y'a la personne à porte, Bandeko, il y'a mis tout, mais FARDC, attaquer FARDC, à ce moment-là, premier ministre, tout ça qu'on respecte, c'est le fait. Oyo armée rwandaise M23 ba respecté en route. Bandeko ça bino passi e bien la mona ba commenter. Pona ndenge toujours respecter ce c'est le fait. Tika to ça. Parce que to yebi oyo to za nango pour le. Bandeko to za la fier. Armée pena en tout cas ba zo se sentir à l'aise. Ba soda ba linga ba zwa o ba za na posa nango. Ba arme ba senga mokonzi ba si ba ju. Bon comprendre? Ba drone mais ça, tu sais qui déjà délivré. J'en suis ici, soit monsieur, ça délivré des gens. Donc, 9 drones, n'a qu'à ta terre. Ma camboza, mais n'est pas ces 3. Et ça, déjà confirmé qu'ils ont la terre. Et puis, ici, soit, j'en suis sûr, peut-être. Essayez. Alors, Bandeko, voilà les dossiers.
macho tozo kanyango tozala nde à l'aise tozala avec comme d'autres bisognoso détermination va desse bendele kuyati bosala masolo to gagne bitumba parce que le président Rwanda zo kanza ko kanyango akozala perdant alors bana mboka masolo kitoko va desse se prépare et armée rwandaise M23 se prépare. Oyo kaka bitumba kalate mukolango. Tokoyoka suka sukoya ko sukola bangonyo sombaloyo sans pitié. Alors, bande konanga, tokomotika premier point abino, tokomoke na deuxième point. Bande ko les armes chinoises. Ba konza mboka bazo ya na bibundili. Ba ke bango moko na bendistri bibundeli penza oyo obalo bakozana kata terrain oza kopona ibundile zo ya na kata RDC alo oyo kakake match eza mbutu mbutu che telespectateur toko gaye bitumba oyo mokoza mboka kakene ki vina chine ekipe mobimba côté ya défense azakin azana Jean-Pierre Bemba côté ya coopération azana Lutundula ta coopération na numérique do makambo zake bilma to ko division en deux to ko loba sur numérique ndenge ni informatique et tout ça et puis to ko loba si ba arme oyu Lutundula confirmer que pas après ya ko soutenir Fardis de à peu près suite ya homme se sotolobaki bandeko boko yoka un débat batuni ba question peut bazo répondre si yango chez téléspectateurs situation sécuritaire oyo tozanango tozi partenaire moko oyo ye moko asala ka ba arme ya makasi ya minene c'est la Chine ba bombe ba biloko ebele ba avion de chasse développement no Chine anango ba avion bazanango ba konja mboka ba ko profiter ko soa ba bibundeli oyo bazana posa nango parce que me bande ko bere ba ko tuna ba question boko yoka sur makambo oyo ete to avancer na armement parce que oyo nde to zo mona l'heure to zande to tanga na première partie faire des ça na bibundeli pende amakasi pour faire résistance pour na kovoyo kaka à l'armée rwandaise. Armée rwandaise va somba ya yi. Présent rwandais a déterminé, biso peto za déterminé. Donc monte pela kaka et yinda kaka ba armée kita. Alors mokonza mboka avec Bemba na deuxième ni bakutanaki. Liboso ba zakina Shanghai et Shenzhen et pas wapi na Shenzhen je me suis pas ba signaki. Bah, contrat ya numérique. Emerand ou aza ministre numérique aza ki présent ba signé ba contrat wana. Alors côté technologie, mboka na biso e ko avancer na ndenga makasi parce que ba chinois baza ko swapé côté wana. Donc au développement ya mboka bandeko, mokoza mboka tala. Makambo ebele même informatique na mboka na biso ko za développé. Ya ba jeune boye ko l'informatique. Mboka na biso ezo koma na avancement makasi. Alors na makambo toza na nguzo senga teknolojie za makasi na kati ya EDC. Et puis na ndenge mokoza mboka zo me makambo oyu. Makambo koza develop mboka koza pena développement mo makasi parce que bande ko vitesse sa teknolojie ba konzi ba o se préparer. Alors to ba na na teknolojie après to ko yana ba arme. Tubana na mupanzi wana côté droite. En visite d'État en Chine, le président Tshisekedi a échangé ce dimanche avec Shenzhen, avec le docteur Liang Wang, président du conseil d'administration de Hawaï, sur la promotion des technologies de l'information et de la communication et sur le numérique. Yewane Likola, Mesa Mokozamboka présent, Naba Konza Chine, alors Bazako signé, Basie ba contrat, na technologie, na Shenzhen. Et pas partenariat salami entre la République démocratique du Congo et la Chine. Alors, Manzaka et Pesami. Mokonza mboka yewana,
baza kosola si la technologie ndeni makambo ezokende. Et puis makambo ezokende très propre technologie amboka ekozale ko changer peto ko sepela yango. Alors voilà les dossiers ya technologie parce que ndenge zawande bozomona wana makambo ezokende kitoko. Alors tokende sikoyo côté les armes. Les armes chinoises vers la EDC confirmées. Fatih et Bemba en Chine. Donc, Ndebozo Mona, Basawala le Tundola l'a même dit, avec l'appui à FARDC. Bango Baksa prêt. Et puis, avion, Bandeko Bazo Solan, Boyoka Bango, Balobi même n'importe quel avion, Biloko Peno ya bien, Oya Sika, Yangonde Togozoa. Parce que Tosa Djana 10 milliards. Bango Bao devoir ce 10 milliards. Mokonza mboka zo profite na ngone ka zawana ako zwa ba avion biloko bela koyana to avance. Le président Félix Tshisekedi entame une visite d'état ce mercredi 24 au 20, dimanche 28 dans l'Elo en Chine pour la relance et la coopération avec ces pays. Cette visite est placée sous le signe de la revitalisation des relations entre les deux pays, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, qui fait partie de la délégation qui accompagne les chefs de l'État au cours d'une interview accordée mardi 23 mai à Radio Okapi. Ce voyage d'État permettrait également aux deux pays de se fixer sur des idées précises et des projets à réaliser ensemble, notamment des investissements dans la chaîne de la valorisation des ressources naturelles de manière à équilibrer la balance commerciale. Et puis, il serait également question de l'appui à apporter au FARDC, selon Christophe Lutundula. Bande konde bozo mona na Bemba baza présent. Alors, mokota mboka za na Chine a zo profiter de cette occasion kouye la biso babi bundeli ba avion de chasse. Bande ko bele ba meko debattre ango boko yoka toko tie la bino. Vraiment, ma solé za ke mokonza mboka aya na yango. Et puis débat moko ezalaki totika mo extrait ya débat wana toujours tshila no boyoka un débat o elekaki na Kinshasa sur ndenge nini bandeko batuni ba question ndenge batuni ba professeur rapprochant dans le but que makambo eza ebele pasi la Chine eza koopere pe na bato ebele. Alors tola na mo extrait wana ya débat ndenge nini mpe masolo ba arme na RDC bongo to avancer na émission na biso. Maître Alidor Mampouya, avocat parti de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. La visite du chef de l'État en Chine tombe à point nommé parce qu'à ce jour, la plupart des contrats signés par le passé entre les deux pays étaient jugés léonais, en ceci qu'ils profitaient plus à la Chine qu'à la RDC et que la RDC a été considérée comme faiseur des grandes puissances économiques de par le monde. En plus, cette visite du chef de l'État d'arracher une coopération militaire franche pour soutenir les FARDC et aider les défis sécuritaires à l'est du pays face à l'échec des troupes déployées par les forces régionales et aussi par certains pays dans cette partie du pays. Professeur Moïla Tshiembe, quelle est votre réaction à cet auditeur, mais aussi votre avis sur le fait que devrait faire la RDC pour éviter de se faire avoir une deuxième fois? Évidemment, le président de la République est attendu, je ne peux pas dire au tournant, mais dans la mesure où lui-même a dit que tout le pays debout a constaté que l'accord a profité plus à la Chine qu'à la République démocratique du Congo. C'est un constat de tout le monde aujourd'hui, qu'on soit spécialiste ou non. Alors, puisqu'il connaît cette réalité, pour pouvoir convaincre les Congolais qu'il engage les relations avec la Chine sous un angle nouveau, il va falloir qu'il prenne langue avec les dirigeants chinois pour clarifier les conséquences de ce fameux contrat du siècle, parce que le Congo continue à perdre jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, M. Donald Madimba, dans 20, 30, 40 ans, lorsque la République démocratique du Congo voudra s'industrialiser, dites-moi, dans quel pays la République démocratique du Congo achèterait le cuivre, achèterait le cobalt?
Il faut regarder les choses, parce que les gens sont empressés. On regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de devises, il faut vendre les minerais, même à un prix réduit. L'essentiel, c'est d'avoir quelques devises, etc. Mais ça, c'est le court terme. Mais à long terme, ce pays, dans 20, 30, 40, 50 ans, où est-ce que le Congo pourra acheter le cuivre, acheter le cobalt pour son industrialisation? Personne ne se pose ces questions-là. On voit seulement le court terme en disant, oui, on a besoin des devises étrangères, il faut vendre, et c'est la conditionnalité même de ce pays à économie extravertie, je n'en reviens pas. Alors, c'est l'occasion pour le président de la République de montrer que, chat échaudé craignant l'eau froide, il y a peut-être lieu de redresser la barre, non pas d'arracher tout de suite, mais d'indiquer le chemin, de montrer aux Chinois que dans le premier contrat du siècle, le Congo a perdu. Et on ne peut pas à nouveau engager la RDC avec la Chine en partant des mêmes postulats pour tirer les mêmes conclusions. Il faut changer la donne. Mmh. Évidemment, il y a la question de ce que pourrait être la contribution militaire de la Chine. Là aussi, nous sommes dans une guerre asymétrique qui n'est pas nécessairement une guerre classique contre une armée avec des blindés, des chars, des avions, etc. Alors, il est vrai que dans le premier temps, il faut quand même quelques matériels militaires nouveaux. Encore faut-il que nos soldats soient au courant comment l'utiliser. C'est un autre débat. Mais le pays peut acquérir quelques engins, soit des blindés, soit des chars, pourquoi pas quelques avions de guerre. C'est possible, mais les militaires, on peut envoyer des gens pour les former, c'est un acquis. Mais alors, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander à la Chine. Nous pensons que ce pays a des experts militaires, on ne peut pas prendre n'importe quel matériel militaire de la Chine. Parce que la Chine vend tout, même peut nous vendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre armée et la menace qui pèse sur le pays. Par conséquent, dans l'accord ancien du siècle, c'est un problème d'expertise. Le fait d'avoir un ministre ou d'avoir un directeur général qui ne connaît pas la paix, qui n'est pas un expert, c'est un danger parce que ces Congolais honorables par-dessus le marché qui ont signé le contrat que tout le monde déplore aujourd'hui, certains ou nombre d'entre eux sont encore vivants. Ils se sont frappés la poitrine pour le patriotisme en disant voilà, on a arraché ce qu'on a arraché à la Chine. Mais le résultat, c'est un fiasco. Donc, il faut une expertise. Il faut éviter des sentiments à un petit discours, à un grand banquet. Oui, ça, c'est la diplomatie, c'est le pas, c'est diplomatique. Mais il ne faut pas s'arrêter au symbole. Il faut aller vers le fond. Et évidemment, dois-je rappeler qu'on a des élections à la fin de l'année. Les Chinois n'ignorent pas. Peut-être voudront-ils attendre pour voir de quoi demain sera fait, parce que ce pays est en élection. C'est aussi un autre phénomène. En matière de stratégie, vous discutez avec un pays comme la Chine qui sait que l'accord précédent, c'est elle qui a tiré la chandelle, qu'on a d'autres Congolais opposants au président Tshisekedi. Que pense-t-il de la Chine? Qu'est-ce qu'ils peuvent promettre à la Chine? Allez savoir si la Chine pourra s'engager à fond avec ce gouvernement et ce président alors que nous sommes à quelques heures des élections. Donc ce sont des pondérables avec lesquels il faut compter. Merci. Bande koto landi biso nyonso. D'abord, nde kwana tuni kesyo na bato bazaki na plateau. Journaliste a passé na professeur ameka ko répondre na nde kwana parce que tous bazakuna nde kwana meko expliquer moi makambo ebele. Mais point important na ndenga réponse na ye. Eza wa lobi ke ba arme ba kozambo ka ba profiter puis ba jo n'importe quelle arme ti ba jo ba arme oyo ba koyana ngo po mboka oyo échanger po na libela bande ko to landi extra wana o comprendre souci ya bana mboka contrat li bosa fait expressa Kabila a été échoué et maintenant de to monde na numérique na technologie awai ba sali yango ezo continuer ko kende pe na technologie na mboka ko change. Bah le makamba armement. Donc ils ont ça ma clairement été ba konzambo ka baza déterminé. C'est pour cela ministre il y a défense à Kenaki na fachi.
Donc, makambu pe na oyo kaka ya minene. Boko mona ba avion de chasse kotonda na mboka na biso. Parce que ils ont 10 milliards. Et nous avons dépensé que Wisbolandi menexe wana 822 millions. Oyo seulement au bango bango 10 milliards. Donc cet écart va ko bazo devoir du Sebele. Alors mokonza mboka za ki sage. Il fallait que na ba ministre concerné. Alors maintenant Bemba présent, Bemba Luka, tu as ba arme, ba avion de chasse à Makasi. Parce qu'ils ont 10 milliards na maboko. Mais, présent chinois, en tout cas, ça qui n'est souple, ba moni berer na bango, ba moni rapport ya. IGF, ba yo comprendre nos situations, n'engeza, to devoir aider ces biloko ebele. Mbongo ebele. Alors, ba konzi, ba za déterminé, eti, ba récupérer mbongo wana, na ba, ba matériel. Militaire, oyo, parce que c'est sûr que nous avons armes, bandeko, ba armes, nous avons ba bombes, roquettes et comme chez. Somme même Russie, comme Koluka, partout, à Kenem, même Afrique du Sud, pour la Kobax, armes, mana bitumba, zanon a Ukraine. Parce que bitumba, n'a pas moins changé. Et comme il y a un niveau, monsieur, c'est comme il y a un européen, bazo kota masoulo. Alors, tous on a la pointe à bisou. La Chine, azo ko produire ye moko ba arme biso yo ezo opportunité ndeto landi ba ndeko azo sala deba ezo opportunité moko to bimana minduka kitoko makambo esala maya bien mboka na biso e avance na direction kitoko parce que le pays ndenge facha kuta ki arme mawa mais maintenant tout ça bien équipé. Ba arme oyo ba kozwa na Chine yango eko développer arme na biso donc situation sécurité to koma pena blender na ndenga mukiti bandeko situation à l'est eko zala améliorer surtout tali oyo to sanango do bitumba eko toka na ndenga kosakala ti komona eti biso to gagner match oyo le président lui-même l'a dit en Chine que ce qui est vrai, nous ne perdrons jamais cette guerre. Nous serons des vainqueurs. Voilà, match à mon dengue et pétami, PCS. Donc, moi, kaka, yako yinda. Alors, ce qui est au tala, ma situation, tu veux vivre nango, et comme étant ouyo ba congolais, ba fungo, la miso ba la mouka, et te aide ce ouyo, et zo kene liboso, comme ça, tu récupérer mboka la biso. To avancer na ba minere oyo to pesa ki bango de l'autre part bango pe baye ba eti bazala nyongo na biso bandeko bakonzi baye bipona nini ba odise contra oyo passe to kozala na avance to kozana nyonyo so to zana besoin na to kozwa to pesa bango bakoro to kosala biso to ko beneficier nango pona ben intérêt ya mboka parce que l'heure est grave soko tali ba chaîne o nyonso mboka na biso eza avancé alors bandeko voilà les dossiers o tozanango et comme temps mboka oyo tellement ezo nyonso bazana posa nango et puis to avancer le pays soko tali bato nyonso zalantou même na ba voisin bandeko baza ko envie mboka na biso makasi. Et senga arme mezala ya makasi ba konzi en tout cas peuple azo tia motema mokoza mboka yakata on retour na yo ba arme ko sakanati alors na travail onyoso président Fatia zo mérite akai moko chaleureux na retour na yo parce que za réussite totale bandeko omona été contrat wa 5 depuis 2008 combien d'années 15 ans après, Mokoza Mboka yeko changé en go, pe eye na mon moment mon kitoko. Voilà ba poule à vrai. Eh bien, contra oyo. Alingete kene sala na rapport. Alingete kei, azonga boy. Mokoza Mboka tala 10 milliards yango ba le biso. Ah, ba di biso ya bon, nazo kende kuna. Le kwa na zana invitation na e, to kene to so la masolo ango. Voilà Mokoza Mboka komi. Alo zing simpeng, en tout cas si ta kiti.
Il a tout accepté, a accepté directement. Alors, bonjour Biloko. Bateko 10 milliards et ça a été. Alinguette avait dit même plus que ça avec les intérêts. Alors, dossier en Guana, c'est un peu natal à Monique Bazaki Nere. Tala ba boule à mon compte à mon cas. Tu es un bateau basala qui 20 ans au pouvoir. Ils avaient de bonnes idées. Mais, basiquement, qu'on matérialisait un outil. C'est pour cela. Fatia, c'est le même projet au Bango Bazaki Nango. Fatia, ils ont changé un mot dans Nenga Kosakanati. Et puis, Mboka, Talamaka. T'es ça, Bino? Ex-Présa Kabila était entouré de docteurs, de professeurs. Mais, Batouana, Bazaki n'a boule thé. Yako Bongo Sapena Mboka. Batouana, il n'a boule moussoussou. C'est pour cela que Makamwebele avance à Rati. Et maintenant, ce talma projet Bazaki Nango, Yango Fatia zo matérialisé. Et tout va changer. Et c'est payé qu'aux années, tous au monati. Bandeko, mboka ou yko développé. Tala, mon kotabo a besoin qu'à 5 ans à Bopesae. Au monde à la Chine, retourne à e, yoz a somme. Mais, ba Congolais va réserver à Kei moko chaleré na retour à Fatia. Nzela Kinshasa, ça la plaie à craquer. Boya mamukonzi parce que a sali réussite totale na Chine nabi bundeli non masolo kitoko. Alors bande konangai c'est à ce point to comment clôturer mission na biso to continuer ko s'abonner massivement to partager. Au revoir, à la prochaine.